Fait vraiment plaisir à voir. Vraiment, merci beaucoup. C'est la neuf, c'est la the neuf. Way it is. Non, j'ai le titre. The way it is. The way it is. The way it is. Ouais, c'est la neuf, c'est la neuf. En répétition, on a vu Stuck in the Sun en répétition. C'était bien, alors ? Ouais ! Au début, c'était un peu long parce qu'ils montaient tout, mais ouais. Après, quand ils ont commencé à faire le concert... En plus, il y avait même des effets comme de la fumée. Eh ben, tu savais qu'il y a un musicien de musique classique d'avant, il s'appelle Lily. Moi j'écoute Led Zeppelin, Deep Purple, Michael Jackson. Oui, moi je joue un instrument de musique de la Moi je chante, mais voilà, dans ma chambre. Je fais pas d'instrument de musique. Moi je fais de la flûte. Moi je fais de la flûte irlandaise. Moi je fais les deux, je fais de la guitare et du chant. Moi je fais de la guitare et du chant. Avec un truc de musique. Je vais te mettre tout sur le fond. Allez, regardez. On va faire un petit ticket, ça fait 87. Si tu conserves bien ton ticket et à la fin du concert tu me le rends et moi je peux te donner ton manteau. D'accord.
merci d'être là aujourd'hui. C'est cool l'école quand même, hein. Vous venez dans les classes, c'est cool. Ça demande beaucoup de travail, effectivement, de mettre au point un concert, comme vous l'avez vu. Enfin, c'est beaucoup d'heures de répétition tous les quatre ensemble, et de composition aussi, parce qu'en fait, les morceaux qu'on vous a joués ce soir sont nos compositions. C'est-à-dire que ce matin, on a l'habitude de jouer le soir, il faut le savoir. Donc ce matin, sont nos compositions, en fait. C'est nous qui écrivons les textes et les musiques. De quoi parlent les chansons ? Alors, de pas mal de choses différentes, d'histoires personnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est des choses assez personnelles, mais voilà, d'histoires personnelles, et puis de choses plus... Par exemple, Melody of Happiness, le dernier morceau qu'on vous a joué, donc c'est la mélodie de la joie. Donc c'est un morceau qui parle du sentiment de joie, de se sentir bien. Les autres peuvent peut-être répondre à cette question aussi, Vincent. Oui, des histoires d'amour aussi. Toujours, enfin pour ma part, là encore on va répondre tous individuellement, mais avant de monter sur scène, toujours un petit peu, ouais. Toujours, pour ma part. Moi aussi, même devant un public comme vous. Ouais, alors en fait ça se manifeste un peu différemment chez chacun. Je sais pas, je sais que Julien, lui, il aime bien répéter sa voix en fait avant de venir sur scène. Moi en fait ça m'endort en fait quand j'ai le trac, j'ai envie de dormir. Donc avant de monter sur scène, j'ai envie de dormir. On a beaucoup plus de facilité à écrire des chansons en anglais, puisqu'on trouve que c'est plus facile à faire sonner, à chanter dans les textes, et on trouve que c'est plus simple de mettre une mélodie sur un chant en anglais, plutôt que de mettre une mélodie sur un chant en français. On peut faire d'autres sons bizarres comme ça. Ça sort toujours.
En fait, je peux faire plein de sons avec ma guitare. Une très belle guitare d'ailleurs. Hein. Je joue aussi du trombone, comme vous avez pu le voir. Pas très bien, mais j'en joue. Et un petit peu de clavier aussi. Voilà. Une petite démo de trombone, peut-être ? Allez, on va entendre. Je fais également du clavier, donc voilà. Donc il y a plusieurs sons de clavier. Sur nos trois claviers, il y a différents sons. Donc là, il y a un piano, par exemple. Là, il y a encore un piano. Là, il y a des flûtes. Enfin voilà, on utilise différents sons de clavier pour pouvoir répondre au mieux à l'arrangement de nos morceaux. Et puis je fais également du chant. Voilà, on chante tous les quatre. En fait, moi, je me charge. Je m'occupe des fréquences basses dans le groupe. Donc avec une basse, c'est comme une guitare avec 4 cordes, mais ça fait des sons beaucoup plus graves. J'ai des sons comme ça. Je peux aussi brancher les distorsions. Et je fais la même chose avec le clavier qui lui se charge aussi des sons basses, donc voilà. La particularité de ce clavier et de la basse, c'est que je suis un petit peu à l'écoute et de la batterie, et de la guitare, et du chant. En fait, c'est vraiment l'instrument qui fait le lien entre tous les autres instruments. C'est un petit peu le ciment en fait, de la musique, de la basse. Ton prénom ? Daisy. Ouais, très très bonne expérience, je pense que les gamins se sont bien éclatés et bah voilà, c'est vrai que c'était très sympa. Les enfants connaissaient les morceaux parce qu'on avait eu l'opportunité d'avoir le CD promotionnel avant, donc je pense qu'ils ont bien pu profiter. Et puis voilà, déferlement d'énergie. Super. Alors, j'avais pris contact avec Marine de l'ATM, puis on avait décidé d'organiser trois actions dans l'année autour des musiques actuelles, à savoir d'abord une initiation à la technique et une visite de l'UBU. La semaine dernière, nous sommes venus pour les répétitions de Stuck in the Sound, et aujourd'hui, c'était l'apothéose, le concert scolaire. Voilà, vivre un concert dans les conditions d'un vrai concert de musique actuelle, à savoir avoir son billet, passer au vestiaire, etc. Et ça leur a plu alors ? Je pense que ça leur a beaucoup, beaucoup plu. Ouais, non, ils étaient très excités à l'idée de venir et je pense que oui, là c'est une expérience à renouveler à mon avis. C'est la première édition, enfin, on a fait les concerts pour les lycéens hier, donc ce matin pour les primaires et cet après-midi pour les collégiens. Et voilà, donc c'est la première édition. On s'est dit en fait qu'on proposait pas mal de choses pour les scolaires, mais que les concerts qu'on pouvait proposer n'étaient pas adaptés au niveau des horaires pour des scolaires. Donc voilà, c'est ça l'idée, et de proposer aussi des concerts qui sont des concerts tout public, qui sont pas du tout des concerts réservés au jeune public, mais voilà, en adaptant les décibels, en étant à 77 décibels pour que ce soit pas trop fort pour les oreilles, en proposant un goûter, avec des horaires adaptés, avec une jauge réduite, voilà. On va le refaire normalement, on recommence trois concerts scolaires en décembre prochain, après les trans. Parce que voilà, moi j'ai envoyé un courrier d'information sur ce concert pour les primaires. Il a été complet dès le premier jour d'envoi, en fait, la réception. Voilà, dès le lendemain, j'avais plus de place. C'est de Vincent. Après, c'est le batteur. Je sais plus comment. Il y a Sam, qui était tout à gauche, un guitariste, et Julien, le chanteur. Ok, et donc vous êtes contents, vous avez passé un bon concert ? Ouais. L'autographe du chanteur, il était hyper dur à obtenir.
venir. Ouais. Ouais. Tout le monde qui voulait. J'ai même eu l'autographe.